Yeah.
ici dans cette salle des sports, place maintenant aux discours officiels. La parole est donc à Madame Ringeval, maire de Raillencourt-Saint-Aul. Le protocole dans cette salle est fait par Monsieur Bernard Wand, qui est mon adjoint à la communication et puis tout ce qui est culture. Donc vraiment, merci Bernard. Je dis bien nos enfants. Bon, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on les a écoutés, qu'on les a vus, qu'on a vu leur spontanéité, leur jeunesse, leur rayonnement. Alors je crois qu'on va pouvoir les applaudir, mais avant que vous partiez les enfants, vous irez voir Marie-Sabine ici là, à l'entrée, qui vous donnera un petit sachet de friandises pour vous remercier de votre présence ce matin parmi nous. Alors on va applaudir nos enfants parce que c'était vraiment remarquable. Mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Ce célèbre poème de guerre, In Flanders Fields, a été écrit en 1915 par le lieutenant-colonel canadien John McRae. À chaque enfant, à chaque jeune, nous vous disons un sincère et affectueux merci. Parents venus ici nombreux ce matin, soyez fiers de vos enfants. Soldats canadiens et québécois disparus en pleine jeunesse sur notre terroir et inhumés dans nos trois cimetières locaux. 1914-1918, la France était en guerre, la Grande Guerre. Chaque foyer en prend une part dans son histoire familiale. Près de 8 millions de Français quittèrent leur ville, leur village, leur maison, leur ferme. La plupart ne reviendront jamais. Ce fut assurément un des plus grands sacrifices humains de tous les temps. Ce fut surtout cette ligne de front mouvante, au gré des combats, des centaines de kilomètres, de la mer du Nord au Vosges. Sans interruption, le sol de notre patrie fut labouré, emporté, retourné par une tornade de feu, de fer et de sang. Chaque village, chaque famille a connu le malheur et le deuil. Notre commune elle-même n'a pas été épargnée. Elle a subi un lourd tribut. 46 noms gravés dans le sang. La vie de ces poilus devenus a valu la croix de guerre à notre commune. C'est leur souvenir que nous entretenons par la plantation de 46 rosiers blancs autour de l'érable canadien que vous avez évoqué ce matin, vous tous les enfants. La bataille de Cambrai, appelée aussi la bataille de la délivrance, fut menée par trois divisions canadiennes à l'aube du 27 septembre 1918. Le 87e bataillon réussit à entrer dans Bourlon et s'y cramponne le 27 septembre, Marquion et Pinois sont aux mains des Alliés. Le 28 septembre, le combat reprend. Le Royal Canadian Regiment attaque vers Fontaine-Notre-Dame, mais la 26e division allemande du Württemberg retarde la prise de Cambrai. Le 29 septembre, les 1er et 2e dits Canadian Mounted Rifles réussissent à s'approcher de Saint-Aul et à se glisser vers Neuville-Saint-Rémy. Le 72e bataillon s'empare de Sancourt, mais l'attaque se paralyse. Les Canadiens perdent ce jour-là 2089 hommes. Je répète, les Canadiens perdent ce jour-là, le 29 septembre, ici,
2089 hommes. Les unités canadiennes, dont la plupart se battent sans arrêt, sont épuisées. Une semaine s'écoule encore avant la délivrance de la ville de Cambrai. Le 9 octobre, aujourd'hui nous sommes le 8, mais un an en avance, le 24 bataillon, avec l'aide des 22e et 26e bataillons canadiens, commence à nettoyer les abords de Cambrai. D'après les rapports, les Canadiens ont perdu de la fin du mois d'août au 10 octobre 1544 officiers et 29262 soldats. Héros français, héros canadiens, héros québécois à qui nous devons aujourd'hui le droit de vivre libre. Ces hommes nous imposent un devoir de ne pas les oublier au moment où nous les faisons entrer concrètement dans notre histoire locale avec la création de ce square ce matin. Je voudrais aussi rappeler le souvenir du soldat canadien Alexander Johnston, dont la dépouille fut retrouvée en juillet 2008 lors d'une excavation sur la zone Actipol dans notre commune. Le corps de ce soldat reçut des obsèques officielles le mardi 25 octobre 2011 en présence de son Excellence l'ambassadeur Monsieur Marc Lortie, ambassadeur du Canada en France et d'une délégation militaire canadienne. Cette histoire locale est retracée dans la monographie rédigée par Monsieur Arnaud Gabé de l'association Cambrésie Terre d'Histoire. Vous y apprendrez aussi que dans le clocher de Saint-Aul, des signatures de soldats canadiens sont à tout jamais gravées dans la pierre. L'histoire de nos poilus est évoquée dans un livre rédigé par M. Pierre et Mme Isabelle Pietrezac de l'Association généalogique du Cambrésis. Tous deux sont présents, tiennent un stade dans la salle qui joue sur cette salle des sports. Et de même est aussi présent ici ce matin M. Gidron, habitant notre commune, notre dessinateur militaire de bande dessinée, qui dessine sur la guerre 14-18. Ses livres s'appellent Les Godillots. Allez les rencontrer, cela leur fera très plaisir. À vous tous ici présents, grand, sincère, profond merci. Merci de nous avoir aidés à concrétiser le respect, la gratitude de toute la population de Rayancourt-Saint-Aul, aux représentants de ces soldats de paix et de liberté, je nomme le Canada et le Québec. Le nom de ces valeureux soldats resteront à jamais associés à la libération de la France et de notre commune, de notre terroir. Ils font partie de ces hommes qui forcent la respectueuse admiration quand on découvre le destin de leur trop courte vie et auprès desquels, quoi qu'on en pense, on se sent étrangement petit. Puisse-t-il y avoir toujours un homme, une femme pour se souvenir d'eux, se souvenir, se recueillir, ressentir. Une commémoration sert à refaire surgir les souvenirs, les témoignages. C'est ce que nous avons essayé de faire avec vous tous ce matin. De collecteurs de mémoire, devenons maintenant des passeurs. Ce que nous voulons transmettre aux jeunes, aux enfants, cette commémoration ne révélera tout son sens que si elle s'inscrit dans l'avenir. Que sera le monde de demain? Que nos vies et celles de notre jeunesse soient dignes de ces hommes qui ont sacrifié la leur
pour nous léguer les valeurs indispensables à toute vie humaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Qu'à l'instar de ces soldats, les jeunes d'ici et d'ailleurs, parfois inquiets du futur, n'aient pas peur de bâtir leur avenir et celui de notre pays, de notre chère et belle France, avec courage, cran, énergie, confiance, des termes que nous relevons dans les lettres des bois de. Et pour terminer, je citerai les dernières phrases du poème de guerre du lieutenant-colonel canadien John McCrae. Tous jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre et de liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ de l'heure. Je vous remercie de votre attention.